Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo qui concerne ce que j'ai reçu pour ce Noël, le Noël 2016. J'ai été hyper gâtée. Je fais pas cette vidéo pour me la péter, dire voilà, j'ai reçu tout ça. Non, c'est vraiment pas le genre de la maison. C'est juste pour partager avec vous, voilà, ce que j'ai reçu, ce qui m'a fait plaisir. Il y aura des vidéos ensuite qui concerneront tous ces cadeaux pour vous montrer un petit peu plus ce que je fais avec, j'ai envie de dire. Donc voilà, si ce genre de vidéo ne vous plaît pas, inutile de laisser un commentaire désagréable, il sera supprimé. Voilà, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos parce que je fais ça pour le partage, donc voilà. Donc trêve de blabla, je commence tout de suite par des bijoux que j'avais commandés sur le site d'AliExpress. À part ce collier-là que mon mari avait lui repéré et qu'il a commandé pour moi. C'est un gros cœur, vous voyez, avec des reflets rouges, un peu steampunk. Il aime bien tous ces styles-là et moi aussi, donc. Quand il me l'a montré, j'ai dit oui, vas-y, il me plaît beaucoup, beaucoup. Je ne vous mettrai pas les liens parce que faut pas parler d'AliExpress, sinon on se fait taper dessus sur YouTube. Mais voilà, si vous tapez colis steampunk, je suis persuadée que vous le retrouverez assez facilement. Ensuite, une autre parure. Donc celle-là, je ne l'ai pas encore portée. Donc il y a une paire de boucles d'oreilles et un collier. Avec c'est des petits cœurs, les finitions avec des petits strass. Et ça, de toute façon, vous le verrez dans d'autres vidéos parce que je le porterai. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Donc très très contente. Ensuite, une petite paire de boucles d'oreilles comme ceci. C'était vraiment mignonnement emballé. Alors elles sont pleines de reflets. Je sais pas si. Voilà. Je les ai déjà portées, elles sont vraiment très très belles. J'adore ce type de bijoux à multi-reflets. Pour terminer avec les bijoux, c'est une parure donc, qui comprenait cette bague encore une fois avec plein plein de reflets bleu, vert, violet. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Il y avait un pendentif qui allait avec. Je vais m'avancer pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà, et enfin une paire de boucles d'oreilles, donc comme ceci. Je vais essayer aussi de plus m'approcher pour que vous puissiez les voir. Par contre, le seul bémol, c'est la chaîne qui va avec le collier. La tâche est un peu particulière, donc ça, je changerai certainement de chaîne, mais voilà, j'en suis très très contente. Tout ce que j'ai reçu, j'avais quand même fait une grosse grosse commande sur AliExpress au moment du 11 novembre et j'ai tout reçu, donc super super contente. Ensuite, évidemment, si vous me suivez, vous savez que, hormis les bijoux, il y a aussi le maquillage que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai eu un soir, je regardais des vidéos sur YouTube, et puis mon mari était avec moi. J'ai vu la Elsa de la chaîne Elsa Makeup qui présentait cette palette-ci. Et je me suis dit, oh, dis donc, elle a l'air vraiment chouette et tout. Il m'a dit, elle te plaît, commande-la. J'ai pas posé de questions, j'ai tout de suite été sur le site de Sponjac et hop, j'ai commandé. Et donc, elle était comme ça, sous le sapin. Elle est vraiment très très belle. Je pense que vous l'avez vue déjà plusieurs fois. Je vous la montre vite fait. Il y a un très grand miroir. Je vais éviter de vous éblouir. Je vais mettre le carton dessus. Et la palette se présente comme ceci, donc elle est vraiment très 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 belle. Il y a des couleurs très originales comme le jaune et le orange qui seront vraiment chouettes pour cet été. Donc j'ai hâte de tester, même avant l'été, si ça tombe, je testerai avant. Mais vous reverrez de toute façon cette palette, c'est certain, dans les paniers beauté, puisque j'ai déjà, je m'en suis un petit peu servie, mais. Voilà, j'essaierai vraiment de la garder sur une semaine pour l'exploiter au maximum. Donc je vous en reparlerai davantage dans une autre vidéo.
Toujours en maquillage, ça vient de la part de ma belle-maman. Elle m'a offert un vernis de chez Dior, donc dans la gamme Diorifique. C'est le 899 Cosmique. Je n'ai jamais eu de vernis aussi cher de toute ma vie. Je n'ai pas été voir le prix parce que d'une, ça ne se fait pas parce que c'est un cadeau. Et puis de deux, parce que je me doute que ça doit être. Voilà. Je le trouve magnifique. Alors, je ne l'ai pas encore porté parce que voilà, vu la beauté. Je veux pas le mettre comme ça à l'arrache vite fait. Je voudrais vraiment porter pour une occasion quelque chose. Donc c'est un marron noir avec plein de micro paillettes dorées. Je pense qu'il ressortira pas bien en caméra parce que voilà, mais c'est très très beau et rien que le flacon est magnifique. Donc voilà, encore une fois très 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 contente de ce cadeau. Pour terminer, moi, si vous me suivez, vous savez que une autre de mes passions que vous avez déjà vu pas mal en vidéo, c'est le coloriage. Et je vous en avais parlé il y a déjà un petit temps. Je vous avais dit, je vous en avais parlé quand je vous avais fait la présentation des calendriers que j'avais trouvé chez Action, que je voulais faire le mois de février avec des crayons de couleur. C'est chose faite. Vous verrez ce coloriage au mois de février, puisque j'ai décidé de vous montrer les coloriages. Mois par mois, et donc je vous avais dit qu'ils étaient planqués dans l'armoire derrière moi, et donc Père Noël, voilà, me les a sortis de l'armoire, les a mis sous le sapin, et j'ai pu enfin les tester. Ce sont les crayons couleur, les Sudé Style. Alors, donc je les ai reçus dans une boîte comme ça. J'ai pas eu de casse, donc j'étais super contente avec une petite mousse comme ça qui les préservait. Je les ai gardés comme ça une semaine et puis à peine, et je me suis dit non, ça va vraiment pas, je peux pas les utiliser comme je veux. Donc du coup j'ai commandé sur Amazon une super grosse trousse comme ça, et ils sont dedans comme ça, vous allez pouvoir les voir. Et je trouve que c'est quand même le mieux, hein, pour une grosse palette de crayons de couleur comme ça, parce qu'il y en a quand même 120. Donc pour comme ça mieux les voir. Donc je vais essayer de pas tout faire tomber. Hop. Donc voilà comment ils se présentent. Mais je vous les montre comme ça vite fait, mais ils feront l'objet d'une vidéo, c'est certain, puisqu'il y a quand même pas mal à en dire. Ce que je peux vous dire tout de suite là comme ça, c'est que je les adore. Je les ai déjà pas mal testés et j'en suis vraiment super contente. Je vous montre juste vite fait. J'ai fait une petite charte pour les couleurs. Mais moi je les adore. Très très belle couleur, très belle pigmentation. Ils glissent bien sur le papier, donc que du bonheur. Mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà ce qui conclut la vidéo concernant mes cadeaux de Noël. J'espère que vous aussi vous avez été bien gâtés. Ce sont des choses matérielles. Le principal reste quand même d'avoir fêté Noël en famille pour ma part, avec les gens que j'aime tout particulièrement, c'est-à-dire ma maman, mes tatas, ma petite sœur, mon beau-frère et évidemment les miens, c'est-à-dire mon mari et mes deux garçons. J'espère que vous aussi vous avez pu profiter de votre famille et de vos amis, parce que pour moi c'est ça aussi Noël, c'est se retrouver tous ensemble, partager un bon moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.